Horoscope Cancer du 30 juin 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Conquérant et persuasif en amour, vous ne risquez pas de vous laisser mener par le bout du nez, par votre conjoint ou partenaire. C'est plutôt vous qui mènerez la danse. Toutefois, veillez à ne pas vous enfermer systématiquement dans une attitude despotique. Célibataire en amour, vous serez entreprenant sous l'injonction de la Lune en excellent aspect. Voilà une tactique qui portera ses fruits aujourd'hui. Horoscope argent. Vous pourrez compter sur de bons coups de pouce de la chance, et les circonstances vous seront particulièrement favorables pour réaliser des opérations lucratives. De plus, vous saurez faire preuve de rigueur et de sagesse dans la gestion de vos ressources, et vous consoliderez votre situation matérielle. Horoscope santé. Pas de problème particulier sur le plan santé. L'action bienveillante de Jupiter vous protégera de toutes les maladies, mais vous aurez tendance à dépasser les bornes. Quoi qu'il en soit, le rappel à l'ordre se fera dans la douceur et sans entamer votre bonne forme physique et mentale. Horoscope travail. Ambitieux et tenace, vous vous démènerez pour décrocher le contrat du siècle ou obtenir une augmentation. Pourtant, le résultat ne sera pas à la hauteur de vos efforts. Ne vous laissez pas décourager par ce demi-échec. Horoscope famille. Dans le domaine familial, vous bénéficierez de la bonne position de la planète Mercure, qui vous assurera une vie paisible, sécurisante, bien ordonnée, axée sur le foyer, les enfants, la maison. Vous ferez tout ce qu'il faudra pour que ceux que vous aimez soient confortablement installés, qu'ils vivent le mieux possible dans le meilleur des cadres. Horoscope vie sociale. L'ambiance astrale vous soumettra à des fluctuations d'humeur notables. Il vous sera difficile d'adopter une ligne de conduite précise avec votre entourage. Tantôt vous serez chaleureux et prévenant, tantôt renfermé et agressif. Les relations, dans ces conditions, ne sauront être aisées et satisfaisantes. Le seul moyen de remédier à la situation serait d'essayer de vous reposer et de vous changer les idées.